Attends-moi. Ça va? Très bien. Bien, écoute, qui m'accroche, moi, moi, mes cheveux, mes machines, tout ça, y a ça. Attends, dis-moi que tu vois pas. Regarde, non. Bien, écoute, qui m'accroche, pour être. T'es des sous, ça y a, ça me fiche, je suis dans des loups. Mais il manque des sous, tout ça, tout Libya, soyez. Quoi, ça? Mais c'est pas ta copine? Franchement, mais je supporte pas de les voir ensemble. Mais pour moi, beaucoup. Pourtant, ils sont mignons. Regarde que Maxence, il est trop beau pour elle en fait. Regarde. Dis-moi que tu vois pas. Il est beaucoup. Naïcha, c'est Gozo. Mais quoi aussi? Quand on est sur Insta, tu sais pas comment me parler, mais tu vois Ganda, il s'est pas foutu qu'un gami. Bon, le cas, non, elle m'a bien manqué. Mais ça m'a attaqué, on attaque un gars, il va te dire. On m'a wakti, non, père. Fous-moi un coup d'homme, monsieur. Hé, ma. C'est assez efficace. Tout à l'heure, quand je rentrais chez moi, Romario a essayé de m'embrasser de force. Ah bon? Ouais. Boy, mais ça aide donc. Je l'ai repoussé. Dis-moi quoi, comment t'as kangé, mon kangé. D'ailleurs, moi, je vais te dire que tu as fait ça. Je vais te dire que tu as fait ça. Aujourd'hui, nous faisons de la conjugaison, des rappels sur le passé composé. Qu'est-ce que le passé composé? Naïcha a quelqu'un à faire un concours de sortant. Ah bon? Composé pour parler. Oui, tiens, vérifie les messages. Qui dit temps composé dit auxiliaire être ou avoir conjugué au présent plus un participe passé du verbe. Donc nous allons faire quelques exercices. Est-ce que tu veux savoir qui c'est? Et puis on finira par une dictée où on se concentrera sur de la conjugaison. Donc avec. Le passé composé, donc il faut bien se rendre compte que nous avons l'auxiliaire qui est conjugué au présent plus le participe passé du verbe, qui lui seul varie. Sierra, viens voir. Je veux quoi? Quelqu'un fait un faux code sur moi, est-ce que c'est toi? Moi? Oui. Parce que c'est, oui, c'est moi qui vas faire quoi? Oui, c'est moi qui vas faire quoi? Tu viens le me pousser? Tu l'as fait! Tu as imaginé ma première!
fais quoi? Pourquoi tu pleures? Demain matin, on ira voir le CPE pour en parler que tu es harcelé. Bonjour, demoiselle. Bonjour, monsieur Voyer. On est là car Inaïcha se fait harceler. Elle a essayé de se suicider la veille et que Ciara et les harceleuses ont fait un faux compte sur elle où on l'insulte et tout et qu'il faut réagir, c'est grave. Ok, mais quel est le début de l'histoire? Ça, la base de l'histoire, c'est quoi? À cause de quoi ça a commencé tout ça? Un garçon. Quel garçon? Maxence, le copain de Inaïcha. Inaïcha, explique-moi un petit peu, parce que justement, enfin, vous êtes... Ciara, c'est ta meilleure amie, normalement. Oui. Alors, c'est quoi? Pourquoi toute cette histoire, alors? Est-ce que tu peux m'en dire plus? Bonjour, Ciara. Bonjour, monsieur le CPE. Ok, je te convoque aujourd'hui. C'est pour savoir un petit peu comment ça va, depuis la bagarre l'autre jour avec Inaïcha. Ça va, mais on se parle pas. Ça va, mais on se parle pas. Donc ça va, mais j'ai quand même reçu la visite de ta camarade. Je sais pas, j'ai rien fait. Ciara sortait avec Maxence et Maxence l'a jeté pour être avec moi. Ok, donc c'est une histoire de jalousie en fait. Oui. Qui a mal tourné entre vous. Mm-hmm. D'accord. Et Audrey, tu m'as parlé de compte Instagram. Est-ce que tu as une preuve de ce que tu avances? Oui, monsieur, j'ai un audio. Est-ce que je peux l'écouter s'il te plaît? Tu es certaine de toi? Oui. Tu n'as rien à te reprocher? J'ai rien fait du tout. Groupe WhatsApp, Instagram, non, insulte, ça ne te parle pas ce genre de choses. Non, rien. Ok, alors je te fais goûter un audio qu'on m'a envoyé et on voit ça juste après. Bonjour les filles. Vous savez ce qu'Inaïcha a fait l'autre fois devant le collège en marchant pour rentrer à la maison. Romario, il a embrassé Romario par force. En plus que ça, elle sort avec Maxence et Elle a pas honte d'aller embrasser Romario devant le collège. Et les filles, on va la détruire sur Instagram. On va la détruire sur les réseaux sociaux. Parce que c'est une... Tu reconnais ta voix? Elle a pas honte. En plus qu'elle savait très bien que j'aimais Maxence. Et elle a osé sortir avec Maxence. On va la détruire sur les réseaux sociaux. Cette pute là, mocho ça. Ok, je garde ton téléphone. Je convoque Ciara dans la foulée. Et je vous tiens au courant pour la suite. Ok? D'accord, monsieur. D'accord, je vous remercie, les filles. Oui.